Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'essai de la Volkswagen Arteon Shooting Brake. Donc, c'est une voiture qui est à vendre chez Volkswagen La Villeroy à l'Escar. On va vous présenter cette nouveauté. En fait, le but du Shooting Brake, c'est de casser le côté ancien brake, en faire un peu un brake de chasse. Et là, on peut dire que c'est vraiment réussi avec le pack Airline sur celle-ci. C'est vraiment un beau modèle. À l'intérieur, on retrouve donc le nouveau volant Volkswagen. En plus, celui-ci, c'est l'option volant chauffant, donc évidemment, toutes les commandes, palette à l'arrière. Au niveau du compteur, donc gros écran LCD des phases 2 de chez Volkswagen, où on peut éventuellement en fait passer de la nav au multimédia, votre température moteur, on peut avoir plusieurs interfaces possibles. Au niveau de la commande centrale, en fait, on retrouve le nouveau tableau de bord entièrement tactile de chez Volkswagen avec tout ce que l'on peut avoir, la navigation, la radio, le multimédia, les infos de la voiture, les rapports engagés. Après, la clim quadrizone du coup sur celle-ci, donc avec les sièges chauffants, le siège conducteur massant. À l'arrière, on a les sièges chauffants, je vais vous montrer par la suite, et une petite option très sympa. À l'arrière, on retrouve donc trois places, deux très confortables. Vous avez ici l'accoudoir avec le porte-gobelet, la trappe pour aller jusque dans le coffre récupérer ce dont on a besoin, ou pour la trappe à ski, hein. Ici, le poste de la bisonne arrière plus les deux sièges chauffants. On retrouve ici un convertisseur avec une prise 230 volts jusqu'à 150 watts, une prise 12 volts et une prise USB-C. Alors, pour le volume du coffre, on est sur 560 litres. Donc, c'est quand même assez généreux. Et siège rabattu, on arrive à 1600 litres. Donc là, on est quasiment sur un utilitaire. Pour les motorisations, vous retrouverez un 2 litres TSI 190 chevaux, 2 litres TDI 150 et 190. Vous aurez aussi le PHEV, donc hybride rechargeable, plus la version R 320 chevaux. Donc celle-ci, c'est vraiment la plus puissante. Pour vous offrir ce Arteon, il faudra quand même compter 48 000 €. Pour ce modèle, on est plus autour des 60. Donc nous voilà à bord en nuit de cette Arteon Shooting Brake. Donc vous pouvez profiter pleinement de cette signature lumineuse à l'intérieur qui est entièrement réglable. Donc vous pouvez choisir parmi plusieurs couleurs d'ambiance à bord. Moi j'ai choisi le bleu parce que vraiment c'est la couleur qui me plaît le plus à bord des Volkswagen. Bon, on peut vraiment tout changer dedans. Ça c'est vraiment sympa. Et je vais vous faire profiter des feux, de la nouvelle technologie d'optique feu de chez Volkswagen. Donc vous allez voir, en nuit noire quasi totale, la puissance des feux est assez incroyable. Là on peut voir qu'elle éclaire le côté de la route. Ça c'est vraiment le top du top. Allez, c'est parti pour la partie on-board de ce Volkswagen Arteon. Donc la première chose que l'on remarque à son bord, déjà, c'est le grand confort, la qualité de finition qui règne à bord avec du coup ce tableau de bord avec le cuir étendu. En plus, on a une finition alu qui est magnifique. Comme vous avez pu le voir au début, de l'écran tactile dans tous les sens. Donc on est évidemment sur la DSG, hein, donc une des meilleures boîtes de chez Volkswagen. La direction est franchement ultra douce. Là, je suis en mode confort, donc vraiment, on est bien assis, on est bien installé. À l'arrière, c'est pareil, j'ai eu l'occasion hier de monter dedans. À l'arrière, franchement, on est super bien. Et après, quand on roule, donc ça roule vraiment super. Et la chose la plus bluffante, c'est vraiment la tenue de route de cette voiture qui est assez incroyable. C'est une des voitures qui tient le mieux la route que j'ai eu l'occasion d'essayer dans cette catégorie de voitures. C'est vraiment incroyable la tenue de route. Là, on va le voir, on va partir sur la petite route sinueuse. Je vais donc me mettre en mode sport. Donc là, la direction va être légèrement durcie.
et je vais pouvoir un petit peu vous démontrer la tenue de route de cette voiture. Franchement, c'est assez impressionnant. Alors avec ce 2 litres TDI 190 chevaux, il consomme absolument rien. On arrive à faire un 6 litres au 100 avec une voiture assez grande, avec 4 roues motrices. C'est vraiment une prouesse de technologie aujourd'hui de consommer si peu, d'avoir une autonomie aussi grande, parce que c'est une voiture qui peut, je pense, facilement dépasser les 800-900 km avec le plein. Vraiment la voiture pour quelqu'un qui fait énormément de route, qui fait plus de 30 000 km par an, c'est vraiment la voiture idéale pour les longs trajets et pour se faire plaisir en famille, pour un commercial, etc. C'est vraiment la voiture idéale. Là, vous allez voir la tenue de route sur des petites routes, alors que c'est un shooting break, je le rappelle. Vous allez voir cette tenue de route impressionnante. C'est vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'efficacité de cette voiture. Alors qu'elle n'est pas faite pour ça à la base, hein. Mais moi j'ai été impressionné, quoi. Donc là la voiture est en drive sport, c'est-à-dire que c'est elle qui gère. Et là maintenant je vais passer en drive man, enfin en palette au volant. Donc là c'est moi qui vais gérer la tenue de route. Mais je sais pas si on se rend compte à l'image à quel point c'est bluffant une voiture comme ça. La voiture, elle est scotchée à la route. C'est incroyable. Et par contre, c'est une voiture qui, sur l'autoroute, en mode confort, en drive, à 130 à l'heure, on sent rien. La voiture, c'est un billard. Vraiment, c'est très très confort. Sachant que je me remettre en confort, vous avez pu voir quand même la tenue de route. Là maintenant, vous voyez, on repasse en confort. Donc là, la voiture va chercher toujours à aller sur le rapport le plus bas pour du coup chercher l'économie. Ça, c'est toutes les boîtes automatiques maintenant sont sur ce fonctionnement là, que ce soit la DSG, les boîtes ZF chez BMW et autres. Là vraiment, la voiture va vous emmener dans le confort. Celle-ci pour l'hiver, ça va être un régal, parce que volant chauffant, siège chauffant. Là, je vais mettre les sièges massants. Donc là, je vais me faire masser les lombaires en roller. Je sais pas si vous voyez le level de la voiture. C'est quand même une des voitures qui a un des meilleurs conforts de conduite du marché, je pense, aujourd'hui. Et elle mériterait d'être, enfin, pour ceux qui aiment les shooting break, elle mériterait d'être élue voiture de l'année pour le design, parce que c'est vrai que là, les designers, on sent qu'ils se sont lâchés, ils se sont fait plaisir. Et on s'en rend compte tout de suite quand on la regarde dans les détails, elle est vraiment magnifique. À savoir que celle-ci, donc je le disais, elle est chez Volkswagen La Villeroy. Donc peut-être quand vous regardez la vidéo, on est en train de réfléchir à mettre des codes promo en place pour vous faire gagner des extensions de garantie ou des prix sur des accessoires, etc. N'hésitez pas à les checker dans la description. Si jamais ça se fait, je vous mettrai le code promo, et en allant chez les Volkswagen La Villeroy à l'Escar, ça vous permettra d'avoir des super réductions sur que ce soit l'Arteon ou d'autres modèles, que ce soit la ID4, la ID3 que l'on a filmé, la GTE. Vous aurez sur pratiquement une grosse partie de la gamme des codes promo réduction, et franchement c'est intéressant. Une extension de garantie aujourd'hui, on ne s'en plaint pas. Pareil, on va faire des codes promo sur les Volkswagen Rent, donc les voitures en location. Vous aurez apparemment une réduction de minimum 15%, donc ça pareil, intéressant si un jour vous les louez. Donc je vous le dis en petite parenthèse, je vais refaire la parenthèse. Alors, on revient sur cet Arteon. Donc voilà, et moi personnellement, vraiment je valide. Après, ça serait la mienne. Alors, c'est sûr, pour un commercial, bon, le 2 litres TDI c'est la base. On va dire qu'aujourd'hui, le 2 litres TDI il est abouti, il est au taquet. Enfin, c'est un moteur qui est quand même sorti en 2003, je le rappelle, qui a été revisité de A à Z. Mais le 2 litres TDI existe quand même depuis 2003. On est en 2021. Et le moteur est toujours là, la preuve de fiabilité que s'ils l'ont gardé, c'est que quand même il avait vachement d'avantages. Et là, l'avantage premier, c'est l'économie. Ce 2 litres TDI, il est assez impressionnant. Après, le nouveau 2 litres TSI, ben, si un jour on a l'occasion de vous le faire essayer, ben voilà, on le fera. Mais moi, j'aurais clairement choisi, en cassant un peu le budget, celle-ci en 320 chevaux. Je pense que c'est vraiment le combo ultime pour se faire plaisir.
elle est encore plus agressive en version R. Mais en version R, pas Airline, la vraie version R à 320 chevaux. Ça doit être vraiment un petit monstre. Surtout avec l'allure qu'elle a, cette voiture, elle est vraiment magnifique. Voilà. Après, je vais essayer de vous faire un petit park assist en live. Oh, c'est la voiture qui fait tout. Hein. Je gère juste le dosage du frein. Et il marche avant. Ça, c'est assez incroyable. Bon, ça existe depuis quelques années maintenant. Mais c'est toujours aussi rigolo à regarder. Ceux qui n'aiment pas les créneaux, les marches arrière, disons que c'est la clé, quoi. Et voilà, on est garé grâce au park assist. Donc voilà, on en termine avec cette Arteon Shooting Brake. Donc vraiment un grand plaisir d'avoir essayé cette voiture. C'est un petit régal. Je vous le rappelle, dispo chez Volkswagen La Villeroy. Bientôt les codes promo arrivent. Donc surtout, allez vous abonner. Ciao tout le monde.